إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui inshallah qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer un nouveau dars, un nouveau livre, un nouveau sujet sur une question qui est très importante en fait, et c'est la jama'a. On va parler de la secte qui se nomme jama'a tablir, et on va lire ensemble qu'est-ce que les ulama ont dit au sujet de cette jama'a, au sujet de cette secte. Cette jama'a, je la connais depuis longtemps personnellement. Depuis que je me suis converti à l'islam en 1991, parce qu'ils avaient une place importante dans la mosquée du quartier dans lequel je me suis converti à l'islam ici à Montréal, qui était la mosquée à Montréal-Nord, bien connue. Et les gens de Tablir, ils venaient là-bas à chaque fin de semaine. Alhamdoulilah, Allah subhanahu wa ta'ala m'a protégé de cette secte. Et il a fait en sorte que, alhamdoulilah, j'ai rencontré des gens qui sont sur le manhaj salafi, qui sont sur la voie des salaf salih, et qui m'ont averti depuis le tout début contre cette secte et contre ses égarements. Donc, alhamdoulilah, j'ai jamais participé avec eux dans leur sortie, dans leur jama'at. Toutefois, alhamdoulilah, j'ai pu les observer, j'ai pu les côtoyer, j'ai pu voir entendre leurs messages, entendre leur da'wa, j'ai pu voir leurs activités, voir comment ils faisaient leurs choses, et alhamdoulilah, ça a été clair depuis le début que c'était des gens qui ne suivaient pas la bonne voie. Et bien entendu, ils ont une méthode parmi les méthodes qu'ils utilisent pour attirer les gens. Ils leur disent tout le temps: attends, sors avec nous pendant quelques jours, tu vas voir par la suite, hein. Donc vous l'avez dit, tu ne peux pas savoir tant que tu n'es pas sorti avec nous. Donc sors avec nous pendant quelques temps, et puis une fois que tu seras sorti, par la suite tu vas voir, hein, tu vas sentir la réalité de qu'est-ce qu'on fait, puis tu vas aimer ça par la suite. Yani, c'est comme un peu comme les gens, yani, subhanallah, qui veulent inciter les gens à prendre une drogue ou à prendre de la drogue. Ils viennent vers eux et puis leur disent: essaye, goûte, juste un petit peu, yani. Si tu vas voir par la suite, tu vas goûter à cette drogue, puis que tu vas aimer ça, par la suite tu vas voir, tu ne pourras plus t'en débarrasser, tu ne pourras plus t'en passer. Donc ces gens-là, ils utilisent cette même méthode, cette même technique, hein, pour appeler les gens à les suivre. Donc on va lire ensemble cette risala, puis Allah subhanahu wa ta'ala, on lui demande qu'il nous donne le tawfiq. Il y a deux risalas en fait, que je vais utiliser pour faire ce cours. La première risala, ça s'intitule Ta'arraf ala jama'at at-tabligh, Ta'arraf ala jama'at at-tabligh al-ahbab. C'est écrit par le Cheikh Sultan Ibn Abdurrahman Al-Aid. Puis une deuxième risala qui s'intitule Kashf al-sitar amma tahmiluhu ba'd ad-da'awat min al-akhtar ou min akhtar. C'est écrit par le Cheikh Mohammed ibn Nasser al-Urayni, ou al-Urayni, et c'est avec l'introduction du Cheikh Saleh al-Fawzan, qui fait partie des
des grands ulama de l'Arabie Saoudite. Donc je vais utiliser des parties de des, en fait je vais utiliser comme base le livre du Cheikh Sultan Al-Aid, puis de temps en temps je vais me référer au livre du Cheikh Al-Urayni pour clarifier certains points, pour rajouter des choses intéressantes là-dedans. Donc on va commencer inshallah avec l'introduction. C'est la deuxième deuxième édition, ou l'introduction de la deuxième édition du livre Kashf al-Sitar amma tahmiluhu ba'd ad-da'awati min akhtar. Cheikh il commence en disant amma ba'd فيسرني وأنا أقدم للطبعة الثانية للرسالة المتواضعة كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار لما لمسته منه قبول أو لما لمسته من قبول لها وامتنان بعض الإخوة على نشرها، وأسأل الله أن ينفع بها من قرأها وأن أكون قد ساهمت مع غيري في كشف أمور عن جماعة التبليغ قد تخفى على كثير من المسلمين، خاصة هؤلاء الذين انخدعوا بها يمارسون بعضا من بدعها وينافحون عنها ويعادون ويوالون من أجلها ويشاركون أفرادها في رحلاتهم السياحية وتنقلاتهم المستمرة في شتى بقاع الأرض المعمورة، ولا سيما في شبه القارة الهندية بما يسمونه بالخروج في سبيل الله الجهاد، متأولين بذلك قول الله عز وجل كنتم خير أمة أخرجت للناس، على أن المقصود به هذا الخروج المبتدأ، والمعنى للآية أنهم خير الأمم وأنفع الناس للناس. تفسير ابن كثير. Donc le Cheikh il commence et il dit: il me fait plaisir de commencer cette deuxième édition, qui est une petite risala, un petit livre très modeste, qui s'intitule Kashf al-Sitar, c'est-à-dire enlever le voile, enlever qu'est-ce qui cache ce que certaines da'awat, certains groupes, certains appels aujourd'hui portent comme danger dans leur message, dans leur méthodologie. Donc, le Cheikh, il dit, on a senti qu'il y avait un grand besoin, on a senti que les gens ont vraiment bien accepté la première édition, et beaucoup de frères ont voulu propager cette petite risala, et je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il fasse que cette risala soit bénéfique pour celui qui la lit, et donc il dit que j'espère que j'ai été capable de clarifier certaines choses au sujet de Jama'at Tablir qui sont peut-être cachées pour certaines personnes, des gens qui ne sont pas au courant de leur égarement. Et en particulier ceux qui ont été trompés, qui ont été trompés par cette Jama'at et qui pratiquent certaines de leurs innovations et qui défendent cette Jama'at et qui parfois s'allient. Ou bien ils font une allégeance ou bien ils se désavouent des gens par rapport à cette jama'a. C'est-à-dire si tu es d'accord avec cette jama'a, ils t'aiment et ils te supportent. Mais si tu es contre cette jama'a, eh bien ils te détestent et puis ils s'opposent à toi, sans faire de distinction. C'est-à-dire ils font al-wala ou al-bara en se basant sur cette jama'a. Donc c'est très important. Donc le Cheikh, comme il explique, il dit de connaître les dangers et les égarements de cette jama'a qui font des voyages et qui se promènent un peu partout sur la terre, dans différents endroits dans le monde, et en particulier qu'est-ce qu'ils font en Inde là-bas, et ils appellent ça al-khuruj fi sabilillah, c'est-à-dire ils appellent ça al-khuruj fi sabilillah, c'est-à-dire sortir dans le chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en réalité c'est le jihad. Al-Khuruj fi sabilillah, la réalité de ce terme, de cette expression-là, c'est de partir au combat. Mais ils interprètent tous ces versets-là pour expliquer ou pour dire que c'est ce qu'ils font eux. Et ils mentionnent le verset « Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas » « Vous êtes la meilleure nation qui est sortie pour les hommes ».
Et c'est le verset 110 dans Surat Al-Imran. Et il cite ce verset-là comme pour faire comprendre aux gens ou pour faire croire aux gens que qu'est-ce qu'on a voulu dire par ce verset-là, c'est en fait de sortir avec eux de la manière dont ils le font, qui est une manière qui est contraire à la sunna, qui fait partie des innovations. Donc le cheikh il dit « ومعنى الآية أو المعنى للآية أنهم خير الأمم » La vraie signification de ce verset-là, c'est que c'est les Sahaba qui sont la meilleure des nations. Hein, et que ce sont eux qui sont les personnes les plus bénéfiques pour les hommes. Et ça, c'est mentionné dans le tafsir de l'imam Ibn Kathir. Dans le Cheikh Al-Fawzan, il dit « وقال الشيخ صالح الفوزان الخروج في سبيل الله ليس هو الخروج الذي يعنونه الآن الخروج في سبيل الله هو الخروج للغزو أما ما يسمونه الآن بالخروج فهذا بدعة ولم يرد عن السلف. الشيخ الذي الشيخ الفوزان الشيخ المنسين لبارول الشيخ صالح الفوزان الذي de sortir dans le chemin d'Allah, ça ne veut pas dire de la sortie qu'ils font aujourd'hui quand ils se promènent dans différents pays, puis ils vont de mosquée en mosquée, hein, puis ils font ce genre d'activité là ça n'a rien à voir avec le khuruj fi sabilillah. Le cheikh a dit que la réelle signification du terme, de l'expression quand on dit Al-Khuruj fi sabilillah, c'est de sortir pour combattre, hein, de sortir pour aller faire une expédition militaire ou pour combattre contre les mouchriquins et les koufars, etc. Donc, bien entendu, ça c'est pas comparable avec les deux, mais eux ils utilisent cette expression-là et ils interprètent tous les versets qui parlent du djihad comme étant le fait de sortir avec eux dans leur tournée et dans leur visite, il y en a des différents pays pour aller soi-disant de mosquée en mosquée, et ils pensent que c'est ça le khuruj. Donc le cheikh il dit en ce qui concerne qu'est-ce qu'ils appellent eux aujourd'hui khuruj, ça c'est une bid'a qui n'a jamais été rapportée de la part des salaf. Et il y en a pour être convaincu, si quelqu'un a besoin d'être convaincu au sujet du fait que qu'est-ce qu'ils font c'est une innovation et que c'est une bid'a, eh bien vous n'avez qu'à retourner à l'exemple des sahaba. Et vous voyez qu'ils ne sortaient pas de cette manière. Ni même les tabi'in. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, en commençant par lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait ça. Ni les tabi'in par la suite. Et les imams des quatre madhahib n'ont jamais enseigné ça, ils n'ont jamais fait ça non plus. Donc ça c'est juste le début, c'est comme introduction que j'ai voulu citer ça. Pour vous faire comprendre en fait certains des aspects d'égarement de cette secte. Ensuite, on va commencer donc avec l'introduction du Cheikh Al-Urayni. Il dit إِنَّهُ لَا يَخْفَى عَلَى كُلِّ لَبِيبٍ مَا يُعَانِيهِ الْمُسْلِمُونَ فِي كُلِّ مَكَانٍ مِنْ مَكْرِ الْأَعْدَاءِ وَدَسَائِسِهِمْ وَمُؤَامَرَاتِهِمْ بِشَتَّى صُوَرِهَا وَأَشْكَالِهَا فما أحوج الأمة الإسلامية اليوم إلى التمسك بدينها والاعتصام بكتاب ربها وسنة رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ونبذ كل دخيل بين صفوفها يريد إفساد عقيدتها وتحريف عباداتها وصرفها عن الغاية السامية التي من أجلها خلق البشر وخلق البشر وأرسلت الرسل قال تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. شيخ الزي c'est pas quelque chose qui échappe à toute personne qui a une raison et une tête et qui réfléchit. Ce que les musulmans aujourd'hui sont en train de souffrir comme difficulté et comme ruse de la part des ennemis de l'islam à l'époque actuelle, et les complots qu'ils font contre les musulmans de différentes façons et de différentes formes. Et on comprend donc que la Oumma islamique aujourd'hui, les musulmans aujourd'hui, ont un grand besoin de s'accrocher à l'islam et à la religion, et à s'accrocher au Coran, le livre de son Rabb, le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala, et la sunna de son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et de repousser tout ce qui a pu être introduit parmi les rangs des musulmans, et qui a pour but de créer de la corruption dans la croyance et de la déviation
dans les adorations. Les adorations et de les détourner, en fait, qui a pour but aussi de les détourner du but noble pour lequel l'être humain a été créé et du but noble pour lequel les messagers ont été envoyés, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit dans Surat al-Zariyat, le verset 56, « Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. » Le cheikh dit donc que c'est pour ça qu'on a été créé, et il y a des gens, que ce soit des koufars, que ce soit des gens qui se sont introduits parmi les musulmans, ou des gens de bid'a, ou des gens d'égarement, qui essaient de faire tourner les gens, de les éloigner de ce but-là pour lequel on a été créé. أعداء ظاهرون يكيدون للإسلام كيدا وآخرون تحت غطاء الزهد والمسكنة هم يكيدون أيضا إنها جماعات محدثة استهدفت بلادنا كأنها المقصودة دون غيرها لأنها المعقل الأخير للإسلام لتعكير صفوها وزعزعة أمنها بما يروجونه من بدع وشركيات ومناهج وخرافات ليست من الدين في شيء ولقد رأيت من الواجب والحالة هذه ضرورة المساهمة بما يتيسر براءة للذمة ونصحا للأمة وإقامة للحجة في كشف حقائق وأمور قد تخفى على كثير من الناس عن واقع جماعات تدعي النصح في ظاهرها وباطنها السم والزعاف فهو إسهام ضئيل لكنه جهد مقل وأرجو أن يكون العمل فيه خالصا لوجهه وأن ينفع به على قدره وخير ما نبدأ به قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب وقوله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله وقوله تعالى ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Donc, le cheikh, il explique, il dit, les ennemis de l'islam maintenant, qui sont des ennemis apparents, ils font des complots et des ruses contre l'islam. Et d'autres, ils se cachent sous l'apparence du zuhd, du fait de se détacher de la vie d'ici-bas. Yani. Et al-maskana, hein, qui montre qu'ils sont pauvres et qu'ils n'ont rien de cette dunya, alors qu'ils sont en train de faire des ruses aussi. Ce sont des groupes et des sectes qui sont inventés et innovés à notre époque et qui ont pour objectif notre pays. Le cheikh, il parle de l'Arabie Saoudite, bien entendu, comme si c'était ce pays-là en particulier qu'ils avaient comme objectif en dehors des autres également. Parce que c'est la dernière barrière, hein, de la dernière protection de l'islam dans sa pureté et dans yani, sa représentation, comment elle a été amenée à la base, c'est-à-dire la da'wa du tawhid. Donc, ils essaient de créer des désordres dans la sécurité, dans l'unité qui existe dans ce pays-là pour propager, en propageant plutôt des innovations et des formes de shirk et des méthodologies qui sont basées sur des superstitions qui n'ont rien à voir avec la religion. Et il dit, j'ai cru que c'était quelque chose d'obligatoire, quand on observe cette situation-là, c'est obligatoire pour, j'ai compris que c'était obligatoire pour moi, et pour toute personne, en fait, qui a une connaissance et qui a des bases de l'islam, qui connaît la religion, c'est une nécessité de faire qu'est-ce qu'on peut, yani, pour, yani, donner la nasiha à la umma, et pour établir la preuve, pour être capable, pour arriver à clarifier certaines choses qui peuvent être cachées à certains individus parmi les musulmans, au sujet de la réalité de ces groupes qui prétendent vouloir donner le conseil en apparence, mais qui, à l'intérieur, en réalité, cachent un poison et un venin dangereux. Et donc, c'est un petit effort
mais on espère que, inshallah, s'il est fait avec sincérité pour le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il soit bénéfique. Selon la proportion d'efforts qu'on a fait, et on commence donc par l'explication du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset 7 dans surat al-Hashr: et ce que le messager vous donne, prenez-le, et ce qu'il vous interdit de faire, abstenez-vous-en. Et certes Allah est dur, et craignez Allah, et certes Allah est dur en châtiment. Et il mentionne dans le verset 12 dans surat Shura: est-ce qu'ils ont des associés, ou des partenaires, est-ce qu'ils ont donné à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires qui ont légiféré pour eux dans la religion ce que Allah subhanahu wa ta'ala n'a pas permis? Ça, c'est pour montrer que les gens qui veulent inventer ou ajouter des choses dans cette religion-là, c'est comme s'ils ont attribué à Allah subhanahu wa ta'ala des partenaires dans la législation et dans l'adoration. Après, il mentionne un autre verset, qui est le verset 18 dans Surat Al-Jathiyah, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَى شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. Puis nous t'avons mis sur la voie de l'ordre et du commandement, alors suivez-le. Et ne suivez pas les voies de ou les passions de ceux qui n'ont pas de connaissance ou qui ne savent pas. Donc il dit: وَلَقَدْ تُلِيَتْ أُمَّةَ الْإِسْلَامِ بِالْفِرَقِ وَالْأَحْزَابِ وَتَنَافُرِ الْإِخْوَةِ وَالْأَصْحَابِ وَيَأْتِي إِخْبَارُهُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَفَلَقِ الصُّبْحِ وَهَذَا مِنْ أَعْلَامِ النُّبُوَّةِ وَهُوَ إِخْبَارُهُ بِالشَّيْءِ قَبْلَ وُقُوعِهِ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ إِنَّهُ مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أخرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه. Donc le cheikh il dit que cette umma, elle a été frappée, elle a été éprouvée par différentes sectes, différents groupes qui ont fait que les gens se sont divisés, les amis se sont séparés, se sont enfuis les uns les autres par la suite même. Et tout ça, ça avait été annoncé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, ça fait partie en fait des signes de sa prophétie. Et c'est pour cette raison que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous en avait informé même avant que ces choses-là se produisent. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: celui qui vivra après moi verra beaucoup de divergences. Alors accrochez-vous à ma sunnah. Je vous conseille de rester accroché à ma sunnah et à la sunnah de mes successeurs bien guidés après moi. Accrochez-vous à cela et mordez dedans avec vos molaires. Et prenez garde, écartez-vous des choses nouvelles dans la religion, des choses inventées. Parce que toute chose inventée dans la religion est une bid'a, et toute bid'a est un égarement, comme c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi et Ibn Majah. Et c'est le hadith très célèbre de Irbad ibn Sariyah. Ensuite le cheikh dit: wa yaqulu alayhi salatu wa salam wa yakhruju fi akhir az-zaman rijalun yakhtaluna ad-dunya bid-din wa yalbisuna lin-nasi julud ad-dhani min al-lin al-sinatuhum ahla min al-'asal wa qulubuhum qulub az-zi'ab. Donc, ici dans ce hadith, il dit: il y a des gens qui vont sortir vers la fin des temps. Ils portent une peau comme une peau de mouton. Ils montrent une douceur, comme s'ils portent une peau de mouton. Et leur parole, leur langue, est douce comme le miel. Mais leurs cœurs sont des cœurs de loup. Donc ça, c'est pour nous avertir en réalité du danger de ces gens-là qui en apparence ont une douceur, mais qui en réalité, derrière tout ça, il y a quelque chose qui est caché. Donc, ça c'est quelques paroles qu'on a lues ensemble. On va lire quelques-unes des paroles maintenant qui ont été mentionnées par les différents mashayikh à leur sujet. Mais avant ça, on va lire l'introduction du cheikh
Sultan Al-Aïd, dans son livre dont j'ai parlé dans l'introduction. Donc le Cheikh il dit ici, لقد أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بوقوع الاختلاف والتفرق في الدين ووقع ما أخبر به رسول رب العالمين فضل من ضل وخالف أقوام سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت الطائفة المنصورة أهل السنة والجماعة متمسكة بعقيدة السلف الصالح ولم تبدل تبديلا. شيخ يقول que le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم avait informé qu'il y allait avoir de la divergence et de la division dans la religion, que les gens allaient se diviser dans la religion et qu'ils allaient diverger. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith que vous connaissez tous, إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على 72 ملة وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وفي رواية عند الترمذي قالوا من هي يا رسول الله قال ما أنا عليه وأصحابي. Donc le cheikh il explique, il dit que il mentionne en fait en bas de page le hadith que les gens des deux premiers livres, les juifs et les chrétiens, se sont divisés dans leur religion en 71 et en 72 sectes, et que cette Ummah allait se diviser en 73 sectes. Elles seraient toutes en enfer excepté une, et c'est la Jama'a. Et ça c'est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ahmad, et une des narrations de l'imam At-Tirmidhi. Quand les sahabas ont entendu ce hadith, ils ont demandé au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, laquelle de ces sectes sera au paradis, au messager d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a répondu, c'est ceux qui suivent ce que je suis moi-même ainsi que mes compagnons. Et on peut vérifier, ceux qui veulent vérifier à ce sujet, au sujet de ces différentes narrations et de ce hadith, ils peuvent retourner à Silsilat al-Hadith al-Sahiha, le numéro 1492, le hadith 1492, et ils vont trouver l'explication et les détails à ce sujet-là. Donc, le Cheikh Sultan Al-Aïd, il dit que ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé, eh bien, ça s'est produit. On a vu qu'il y a eu cette division-là à travers la Ummah, et que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam avait annoncé ça déjà. Donc, ceux qui se sont égarés. Et ils ont contredit la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Tandis que le groupe victorieux et sauvé, sont restés sur la sunna, ils se sont accrochés à la sunna et à l'aqida des salafs. Et ils n'ont pas changé à travers le temps, et à travers les époques, et à travers les siècles. Ce sont les gens de Ahl sunna wal Jama'a. Donc, depuis la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam jusqu'à aujourd'hui, il y a toujours eu ce groupe victorieux et ce groupe sauvé qui a toujours suivi la vérité et qui est resté sur la sunna et qui s'est accroché à la bonne aqida depuis cette époque jusqu'à aujourd'hui, sans dévier ni à gauche ni à droite, tandis que les autres se sont égarés et se sont déviés. Donc le Cheikh il dit wa kana mimman baddala wa ghayyara wa ahdatha fi ad-din ta'ifatan min az-zuhad wal-'ubbad gharaw fi ad-din wa ta'abbadu 'ala ghayri tariqati ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam على غير طريقة رسول رب العالمين محمد صلى الله عليه وسلم واعتقدوا في الأولياء والصالحين فاستغاثوا بهم وطلبوا منهم المدد وكشف الكربات واتخذوا قبورهم أوثانا ومزارات فوقعوا في الشرك والابتداع وصاروا يعرفون فيما بعد بالمتصوفة فضلوا وأضلوا كثيرا من الخلق واتخذوا دينهم لعبا ولهوا ودفوفا ورقصا وبدعا وشركا فلما من الله على أهل الإسلام بقيام دعوة التجديد والتوحيد على يد الإمام محمد بن عبد الوهاب خبت نار هذه الفتنة في جزيرة العرب وغيرها وتوارت برهة من الزمن فانتشرت السنة وقمعت البدعة وطهرت جزيرة العرب من دنس هؤلاء. Le Cheikh il dit, et parmi les choses qui ont été changées par certains et qui ont été
yani déformés de la religion, et qui ont, parmi les innovations qui sont apparues également dans la religion, il y a un groupe parmi les gens qu'on appelle les zuhad, hein, des gens qui se détachent de la dunya et qui se concentrent uniquement sur l'adoration, qui ont exagéré dans la religion. Et ils ont commencé à adorer, à faire des adorations, mais d'une manière qui est en opposition et qui est différente de la manière qui a été enseignée par le messager du Seigneur des mondes, c'est-à-dire le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc ils ont inventé des adorations que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'a jamais fait et que les sahabas n'ont jamais connues. Et ils ont ajouté à ça également une croyance en les hommes, en certains saints ou en certains hommes pieux. Et ils ont commencé même à les appeler au secours lorsqu'ils avaient des besoins ou des malheurs, et à leur demander le support et l'aide lorsqu'ils avaient des problèmes, et ils leur demandaient également d'éloigner d'eux les différents malheurs et difficultés qu'ils avaient dans leur existence, alors que c'était des gens qui sont morts et enterrés dans leur tombe. Et ils ont pris leur tombe comme des idoles, et ils ont ajouté dans la religion une série de rites, de rituels et de pratiques, comme par exemple le fait d'aller visiter et d'aller rester autour des tombes pour faire des adorations et pour demander l'intercession des morts et pour espérer la baraka de ces individus-là qui sont enterrés dans ces tombes-là. Donc ils sont tombés dans différentes formes et dans différentes catégories de shirk et d'innovation. Et on les a appelés par la suite les mutasawwifa, c'est-à-dire les soufis, comme on les appelle aujourd'hui, les soufis. Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui dans le monde musulman, comme le cheikh est en train de l'expliquer? C'est que beaucoup de gens ont été influencés par le soufisme et ont grandi dans des familles et dans des entourages, dans des milieux où ils baignent dans le soufisme, mais on leur a jamais dit que ce qu'ils pratiquent, c'est le soufisme. Donc, ils sont soufis en réalité, mais sans réellement savoir qu'ils sont soufis. Parce que eux, ils croient qu'ils sont des musulmans, et qu'ils font comme tous les musulmans dans le monde. Et ils ignorent en réalité qu'entre ce qu'ils font et entre ce que l'islam enseigne, il y a la différence comparable au jour et à la nuit. Hein? Et beaucoup de gens même, je me souviens quand j'ai fait les cours sur la réalité du soufisme, beaucoup de gens, parmi les frères de différentes origines, différents pays, ils m'ont dit: quand j'ai entendu les cours sur le soufisme que tu as fait, j'ai réalisé que nous-mêmes on était des soufis, mais on n'a jamais su qu'on était des soufis. Parce que on nous a jamais expliqué, on n'a jamais dit que ça c'était quelque chose de qui s'appelait soufisme. Hein? Et donc, c'est pour ça que c'est très important de clarifier ces choses-là. Et donc, le cheikh, il dit que ces gens-là se sont par la suite fait connaître par le terme soufiya, ou mutasawwifa, ou tasawwuf. Et ils se sont égarés, et ils ont égaré beaucoup de créatures avec eux. Et ils ont pris leur religion comme un jeu et comme un amusement. Et ils ont pris pour adorer ou pour faire des actes d'adoration des tambours et de la danse, hein, comme les chrétiens, quand ils adorent, quand ils font leur prière ou leur cérémonie dans les églises, tu les vois danser et chanter. Eh bien, les soufis, ils ont voulu faire la même chose avec des danses et avec de la musique, et avec des innovations et avec du shirk. Donc le cheikh, il dit que lorsque Allah subhanahu wa ta'ala a fait la faveur aux gens de l'islam de faire établir cette da'wa de réformation et cette da'wa du tawhid par la main de l'imam, du mujaddid, le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, hein, eh bien il est venu et il a, disons, réformé la croyance des musulmans. Il a ramené le tawhid à sa pureté et la sunna, et il a purifié des innovations et des égarements qui avaient été ramenés. Et donc cette fitna qui avait été débutée par les soufis dans la péninsule arabe et ailleurs dans le monde a commencé à se calmer et à s'éteindre un peu. Et pendant un certain temps, donc, la sunna a commencé à se propager dans le monde et la bid'a a commencé à s'éteindre et à devenir, à s'écraser, à devenir plus faible. Et la péninsule arabe a commencé à être purifiée de toutes ces impuretés qui avaient été rajoutées comme innovation dans cette région-là, et de même que d'autres endroits également
dans le monde où cette da'wa a eu un impact et une influence. ولكن أهل الباطل يكيدون ويمكرون بأهل السنة ويتربصون فأثر هذه الفتنة فأثار هذه الفتنة من جديد تحت مسمى جماعة دعوية منظمة غزت بلاد العرب والعجم وغررت ببعض شبابكم وغرت ببعض شبابكم يا أهل التوحيد كبار السن والعوام حاضرة وبادية فإن لله وإنا إليه راجعون. Il dit que les gens qui sont sur le mensonge et qui sont sur la fausseté, ils ne cessent de faire des ruses et de faire des complots pour essayer par la suite à la longue de combattre et d'écraser la sunna. Et donc ils sont toujours aux aguets et ils se tiennent toujours prêts pour chercher les occasions pour justement propager leurs mensonges et leurs égarements et essayer de faire en sorte que la sunna et le tawhid soient éteints et écrasés. Et donc ils ont ramené cette fitna encore une fois à nouveau. Et ils l'ont ramené cette fois-ci par un nouveau nom. Hein, le nom d'une da'wa ou d'une jama'a qui appelle soi-disant à vouloir faire la da'wa d'une manière qui est organisée. Et cette méthode-là, elle a envahi différentes régions dans le monde et la péninsule arabe et les pays non arabes également. Et ils se sont propagés partout. Et ils ont attiré beaucoup de jeunes parmi les gens de l'Arabie Saoudite et d'ailleurs pour y en attirer les gens et même parfois les personnes âgées et les gens ordinaires, ils les ont attirés avec leurs ruses et avec leurs méthodes. Parce que vous savez que ce sont des gens qui attirent les gens facilement avec leur comportement. Ils montrent un comportement qui est tellement gentil, tellement doux en apparence que les gens se laissent souvent tromper par ces méthodes-là. Donc le cheikh il commence à expliquer en fait que la da'wa de Tablir et de Jama'at Tablir en réalité c'est une da'wa soufie. Il faut dire les choses telles qu'elles sont, c'est la réalité. La da'wa de Jama'at Tablir, c'est une da'wa qui est basée sur le soufisme et qui a été fondée par un soufi pour propager le soufisme dans le monde, même si ça a été fait sous le couvert de la da'wa et de vouloir ramener les musulmans à l'islam. Vous allez voir, inshallah, les points intéressants à ce sujet-là. عودة التصوف. نعم لقد عاد التصوف البدعي الخرافي في زماننا بمسمى جديد جماعة الدعوة والتبليغ والخروج في سبيل الله وكان إنشاء هذه الجماعة جماعة التبليغ على يد صوفي ديوبندي جستي وهو المدعو محمد الياس الكندهلوي الذي ترقى في مدارج التصوف البدعي وأخذ التصوف عن شيخه الكنكوهي القائل إن الهداية والنجاة في هذا الزمان تتوقف على اتباعه. Donc, qu'est-ce qu'il dit pour commencer? Il dit oui, cette da'wa qu'on appelle da'wa de tablir, c'est en fait une nouvelle forme de soufisme qui a été ramenée. Cette forme de soufisme qui est basée sur la superstition et sur les histoires fausses et le mensonge à notre époque. Et c'est ramené sous un nouveau nom. Et ce nom-là, c'est quoi? C'est le groupe de la prêche et de la transmission de l'islam ou de vouloir sortir dans le chemin d'Allah, soi-disant. Comme on a expliqué tout à l'heure à ce sujet, on a parlé un petit peu de ça. Et le fondateur ou la naissance de ce groupe, ou de cette secte, hein, c'est plus propice de dire une secte, eh bien, elle a été, établie par la main d'un soufi, Diobandi, Jisti, qu'on appelle Muhammad Elias. Bon, on va expliquer un petit peu ces termes. Un soufi, on sait c'est quoi un soufi, c'est quelqu'un qui suit les voies d'égarement qui ont été inventées par ceux qu'on appelle les Mutasawwifa. Ok? Et c'est, bien entendu, des méthodes d'adoration qui ont été inventées par des hommes qui prétendent qu'ils ont soit reçu des révélations spéciales, particulières dans des rêves, ou bien qu'ils ont un contact direct avec Allah subhanahu wa ta'ala, qu'ils n'ont pas besoin de la révélation
comme le reste des êtres humains, comme le reste des hommes, et qu'ils ont un raccourci ou des connaissances secrètes pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils croient que eux, en faisant certains exercices bien précis, bien particuliers, ils arrivent à adorer Allah subhanahu wa ta'ala d'une manière qui dépasse la manière des autres musulmans, qui est une manière, bien entendu, qui n'a aucun lien avec le Coran et la Sunna. Et ils pensent que, en faisant ça, ils arrivent à un niveau ou à un degré de piété et d'adoration et de piété et de foi plus élevé que le reste des hommes. Puis à la fin, ils atteignent des niveaux où ils prétendent même parfois qu'ils n'ont plus besoin de faire ce qui est obligatoire et de s'écarter de ce qui est interdit par la suite, selon certains d'entre eux. Donc, Soufi, Diobandi, et Ad-Diobandiya, qu'est-ce que ça veut dire Ad-Diobandiya? Eh bien, Ad-Diobandiya, c'est une école, une des écoles en Inde qui enseigne, soi-disant, l'islam, mais en même temps qui est mélangée avec toutes sortes de tendances et de croyances soufistes. C'est une des plus grandes écoles hanafiyas dans la péninsule ou bien dans la région de l'Inde. Et ils prétendent que le fondateur de cette école, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et ils prétendent même également qu'il vient chaque année pour vérifier, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam vient à chaque année pour vérifier les comptes de l'école qui enseigne, les comptes de cette école-là en particulier. Donc ils prétendent qu'il vient pour vérifier et pour faire la comptabilité des comptes de cette école. Et on la connaît, cette école, par différents noms. Parmi les noms, c'est Dar al-Uloum. Vous connaissez, souvent vous entendez ces noms-là. Dar al-Uloum, il y en a dans différents pays dans le monde. Il y en a ici au Canada, je crois, il y en a en Angleterre, il y en a en Afrique du Sud. Il y en a partout où il y a un grand nombre de musulmans d'origine indienne ou pakistanaise, vous allez trouver ces écoles-là. Il y en a en Inde, il y en a au Pakistan et dans différentes régions dans le monde. Donc c'est cette école qu'on appelle Diobandiya, qui est remplie de superstitions et de fausseté. On va donner des exemples dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah, à ce sujet-là. Donc, ça c'est l'école de Diobandiya. Et il y a aussi la mention du terme Chisti. Et Chisti, c'est une des Toruq Soufiya, qu'on appelle la Chistiya. Donc, le fondateur de ce groupe, de cette Jama'a qu'on appelle Jama'a Tablir, il faisait partie de ces différentes tendances-là. C'est-à-dire, c'est un soufi de la tariqa al-Jistiyya et qui sort de l'école qu'on appelle l'école des Diobandiya. Et puis, on va parler un petit peu plus en détail dans les cours qui vont suivre, Inch'Allah, des choses qui ont rapport avec qu'est-ce qui est enseigné dans l'école des Diobandiya et qu'est-ce qui est pratiqué dans ces écoles-là et les différentes manifestations d'égarement de bid'a dans la tariqa al-Jistiyya et autres. Donc, le fondateur de cette tariqa, son nom, c'est Mohamed Elias Al-Kandahlawi. Et il a suivi, l'évolution des soufis, des shuyukhs soufis. Il a suivi l'éducation et les degrés dans l'élévation des soufis, comment ils passent à travers une tariqa et une autre pour arriver par la suite à un niveau où ils prennent une bay'a d'un cheikh, et puis par la suite, parfois même certains d'entre eux fondent leur propre tariqa par la suite à la fin. Comme la plupart des soufis qui ont une tariqa aujourd'hui, ils ont eux-mêmes été à un certain moment donné un mourid, et ils ont suivi un cheikh, et ils ont eu une bay'a, et ils ont fait tout ce que les soufis ont fait, jusqu'à ce qu'ils arrivent eux-mêmes au point où ils soi-disant ont la permission, soi-disant que le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient leur donner la permission de faire leur propre tariqa. Donc là, ils commencent eux-mêmes leur propre confrérie, puis ils fondent leur groupe par la suite. Donc, le cheikh, il dit que ce soufi-là qu'on appelle Mohamed Elias Al-Kandahlawi, qui est le fondateur de Jama'at Tablir, il a évolué lui-même dans les différents degrés du soufisme, qui est bien entendu une bid'a, et il a pris le tasawwuf de son cheikh qui s'appelait Al-Kankouhi. Et cet individu qui s'appelle Al-Kankouhi,
Qu'est-ce qu'il disait, lui? Il disait que la guidance et le salut, à notre époque, se limitent au fait de me suivre, moi. Donc, c'est comme s'il disait que pour être guidé, pour avoir le salut à notre époque, il faut me suivre, moi. Ça, c'est les paroles de son cheikh, du cheikh du fondateur de Jamaat Tabligh. Donc, ça vous donne une idée, Yanni, de la tendance un peu de cette Jama'a et des fondateurs de cette Jama'a. Et ça, c'est mentionné dans un livre, Saliqatul Qulub, à la page 190, et c'est rapporté par le cheikh Sayyid Talib Rahman dans son livre Jama'at al-Tabligh, dans Fi Shibh al-Qarat al-Hindiya. Donc, ensuite il dit, wa kana Ilyas, هذا يقول قصيدة البردة عندنا من المقرر قراءته. Donc ça c'est également mentionné au sujet de Mohamed Elias. Il disait la qasida, c'est-à-dire le poème qui a été écrit, qui s'intitule Al-Burda. Il dit ce poème-là c'est quelque chose qui est imposé. Vous devez le réciter et le lire. Et cette qasida contient bien entendu beaucoup de formes de shirk dedans et beaucoup de choses qui sont contraires au tawhid. Par exemple, le cheikh dit « وَهِيَا الْقَسِيدَ الْمُتَضَمِّنَةُ شِرْكًا بِاللَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ وَمِنْهُ قَوْلُ صَحِبِهَا الْبُوصِيرِ مُخَاطِبًا رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَا أَكْرَمَ الْخَلْقِ مَا لِي مَنْ أَلُوذُ بِهِ سِوَاكَ عِنْدَ حُلُولِ الْحَادِثَ الْعِمَمِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ فِي مَعَادِي آخِذًا بِيَدِي فَضْلًا وَإِلَّا فَقُلْ يَا زَلَّةُ الْقَدَمِ فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. Donc ça fait partie des paroles qui sont mentionnées dans cette qasida, dans ce poème qui contient beaucoup de formes de shirk, parmi les exemples, les paroles de Al-Busayri lorsqu'il s'adresse directement au prophète sallallahu alayhi wa sallam en disant ô toi la plus noble des créatures, qui ai-je en dehors de toi, à qui en dehors de toi pourrais-je chercher refuge lors de la grande événement, et si tu n'es pas là pour me prendre par la main, alors c'est certain que je vais glisser et que je vais perdre le pied. Et parmi tes merveilles, il y a ce bas monde ainsi que l'au-delà, et parmi tes sciences, il y a la science de la table préservée et de la plume. Donc ça, c'est des exemples de description du prophète sallallahu alayhi wa sallam et de demandes, de prières au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont des formes de shirk. Du shirk dans l'asma al sifat et du shirk dans l'ibadah, du fait qu'il s'adresse au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et donc, lui, Mohamed Elias, il indique ou il enseigne à ses fidèles donc de lire cette qasida. Et il y a des choses que vous allez lire dans la présentation qu'on va faire et dans l'explication qu'on va faire dans la réponse ou dans la clarification des égarements de Jamaat Tabligh. Il y a des choses qu'on va mentionner et certains d'entre vous ou d'autres vont dire « Oui, mais nous, on est avec Jamaat Tabligh ou on a connu des gens qui sont avec Jamaat Tabligh et qui ne font pas ça. » Et l'important pour nous aujourd'hui, c'est de faire comprendre que c'est pas important de savoir si vous faites ou vous faites pas ça. Nous, on est en train d'expliquer qu'est-ce qui était enseigné par le fondateur de cette Jama'a. Et pour nous faire comprendre en réalité que si c'était ça, les enseignements qui ont été enseignés et prêchés par les fondateurs de cette Jama'a, alors par la suite, donc, imaginez, qu'est-ce qui se cache derrière les enseignements de cette Jama'a. Parce que beaucoup de gens pensent que Jama'a Tabligh, c'est les gens que vous voyez dans votre quartier qui se promènent et qui font leur porte-à-porte. Ça, c'est juste des gens qui, disons, qui suivent sans vraiment parfois connaître les réalités de Jamaat Tabligh. Ils ne font que suivre ces groupes-là et ces gens-là aveuglément. Toutefois, à la tête de ce groupe, il y a des gens qui sont en train de se concentrer sur des choses bien précises et qui ont un manhaj et une aqida et une da'wa qui est opposée totalement avec le Coran et la Sunna. Donc ça, vous allez voir dans les exemples qu'on va mentionner plus tard. Juste avant de continuer dans la lecture du livre du Cheikh Al-Sultan Al-Aïd, on veut mentionner quelques exemples qui sont mentionnés dans le livre écrit par Mohamed Elias qui s'appelle Tablighi Nisab. Ce livre-là, il a été traduit en arabe. À la base, il est en ourdou.
Mais dans ce livre, vous allez voir qu'il y a toutes sortes d'histoires qui sont mentionnées, et ça va vous donner une petite idée justement des catégories ou des formes d'enseignement qui sont prêchées par les gens de cette jama'a. Bien entendu, pour les Arabes, pour les jama'a tablir, parmi ceux qui sont les Arabes, parmi eux, il y a un autre livre qui est enseigné, ou qui est étudié. En principe, c'est le livre Hayatul Sahaba, ou bien c'est le livre de Riyad al-Salihin de l'imam al-Nawawi. Ça, c'est le livre que les Arabes lisent quand ils font partie de Jama'at Tablir. Toutefois, pour les non-Arabes, parmi les gens de l'Inde et d'autres pays, eux, ils lisent un autre livre qui s'appelle Tablir al-Nisab. Et il a été changé, si je ne me trompe pas, le titre de ce livre-là a été changé. Avant, ça s'appelait Fada'il al-A'mal. Maintenant, ça s'appelle Fada'il al-A'mal, si je ne me trompe pas. Mais à la base, ça s'appelait Tablir al-Nisab. Et il y a des personnes qui étaient dans ce groupe-là, parmi les musulmans, puis qui ont travaillé pendant longtemps, qui ont suivi longtemps cette jama'a, qui ont appris les enseignements de ce groupe, puis par la suite qui les ont quittés quand ils ont connu leur réalité. Puis il y en a un justement qui s'appelle le Cheikh Saad al-Hussein, et il dit dans son livre « Haqiqatu da'wa ila Allah » وما اختصت به جزيرة العرب على page 82 il dit يقول على سبيل المثال فإن كتاب تبليغ النصاب هو الكتاب الوحيد لغير العرب في منهج جماعة التبليغ يضم إلى جانب الآية والحديث الصحيح والدعوة إليه والدعوة إلى الخير ما يلي الحث على السفر إلى المدينة النبوية بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم بعد الحج بدليل من حج ولم يزرني فقد جفاني والحث على التوجه لقبره بالدعاء الآتي يا رسول الله أسألك الشفاعة وثالثا صيغة السلام على العمرين رضي الله عنهما جئناكم نتوسل بكما إلى الله صلى الله عليه وسلم ليشفع لنا ويدعو لنا ربنا ورابعا أن النبي صلى الله عليه وسلم أخرج يده من قدره ليتمكن الشيخ أحمد الرفاعي في القرن السادس الهجري من تقبيلها على مرء من 90,000 مسلم وأن الكعبة تذهب إلى بعض الصالحين في أماكنهم و صيغة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد بحر أنوارك ومعدن أسرارك ولسان حجتك وعروس مملكتك وإمام حضرتك وتراز ملكك وخزائن رحمتك وطريق شريعتك المتلذذ بتوحيدك إنسان عين الوجود والسبب في كل موجود عين أعيان خلقك المتقدم في نور ضيائك المتقدم من نور ضيائك. Donc qu'est-ce qu'il dit? Il dit que ce livre Tablir al-Nisab, c'est le seul livre qui est donné aux non arabes qui contient en fait la méthodologie qui est suivie par le groupe de Jama'at Tablir, et il contient des ayats, des versets, des hadiths authentiques et de l'appel au bien, mais en même temps il y a aussi toutes sortes de hadiths qui sont fabriqués et toutes sortes de mensonges et même des différentes formes de shirk à l'intérieur. Et donc parmi ces exemples-là, il mentionne les points suivants. Il dit qu'il y a dans ce livre Tablir al-Nisab l'incitation de faire des voyages à Médine, al-Madina al-Nabawiya, avec l'intention de visiter la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam après avoir fait le hajj. Et on mentionne comme preuve pour ça le hadith suivant. Celui qui a fait le hajj et qui ne m'a pas visité, alors il m'a manqué de respect. Et ça, c'est bien entendu un hadith qui est parmi les hadiths qui sont fabriqués, qui sont mensongers, qui n'ont aucune authenticité. Ensuite, le cheikh, il mentionne un autre exemple, qu'on incite également à se diriger vers la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam et à faire le dua suivant. Ô messager d'Allah, je te demande l'intercession.
Donc ça, on sait que c'est un dua qui est adressé au prophète sallallahu alayhi wa sallam alors qu'il est mort sallallahu alayhi wa sallam, et donc ça c'est une forme de shirk. On lui demande l'intercession alors que l'intercession appartient à Allah subhanahu wa ta'ala seul. Ensuite, siratu salam, la façon de faire d'envoyer le salam au à Abu Bakr et à Omar radiyallahu anhuma, en disant: nous sommes venus vers vous pour vous demander, vers vous deux et au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, pour vous demander d'intercéder pour nous, hein, et d'invoquer notre Seigneur pour nous. Donc ça c'est un exemple également de prière qui est adressée au prophète sallallahu alayhi wa sallam et à Abu Bakr et Omar radiyallahu anhuma, alors qu'ils sont décédés et qu'ils sont enterrés et morts, et ça c'est également une forme de shirk majeur. Ensuite, le cheikh il dit, wa anna an-nabi sallallahu alayhi wa sallam, ils disent également dans ce livre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait fait sortir sa main de sa tombe pour permettre au cheikh, un des shuyukh des soufis, hein, pour permettre au cheikh Ahmed al-Rifa'i, au 6e siècle Hijri, d'embrasser la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam devant 90 000 musulmans. Donc devant 90 000 musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait sorti une main de sa tombe pour permettre à ce cheikh soufi d'embrasser la main du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Une autre chose qui est mentionnée également dans ce livre de Tablir et Nisab, c'est que la Kaaba, elle s'en va parfois pour visiter certains hommes pieux à l'endroit où ils sont. Hein? Donc ça, ça fait partie des histoires qui sont racontées par les soufis. Ça, c'est des trucs qu'on retrouve. Et ça, c'est des histoires qu'on retrouve dans les livres des soufis. Disons, ça fait partie des histoires qui sont les moins extrémistes. Parce qu'il y a des histoires encore plus graves que ça dans les livres des soufis, mais ça, c'est déjà parmi les plus soft, hein, les plus douces histoires d'égarement, parmi les égarements des soufis. Puis ensuite, il y a la formule de prière, ou de, disons la formule de salut sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui contient bien entendu des mentions d'égarements qui sont contraires à la sunna et au tawhid. On décrit, on dit: ô Allah, salut, envoie ton salut sur ton messager, Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, qui est l'océan de tes lumières, et la source de tes secrets, la langue de ta preuve, la fiancée de ton royaume, l'imam de ta présence. Il y en a plein d'exagérations dans le trésor de ta miséricorde, la voix de ta charia, celui qui se réjouit de ton tawhid, un homme qui est lui-même l'existence et la cause de toute existence, et il y en a celui qui est au devant qui fait partie de la lumière de ta lumière. Et ça fait partie également des exemples de la croyance chez certains soufis, hein, qui croient que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam n'avait pas d'ombre et qu'il était créé de la lumière du prophète, que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était créé de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala, et donc qu'il était divin, et que Allah subhanahu wa ta'ala avait créé le monde entier pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça, c'est des exemples de ce qui est dans Tablir et Nisab, et il y a beaucoup d'autres choses également, parmi les formes de shirkiyat et de bid'ah également. Et il y a des exemples comme, par exemple, on fait Tablir et Nisab, c'est al-juz al-thani, al-safha 49, bab fada'il al-hajj, yaqul inna al-awliya wal-abdal wal-aqtab yashtarikuna fil hajj min jami'i anha' al-alam, فهذه فرصة للاستفادة من فيوضهم وبركاتهم وأنوارهم وكمالاتهم. أقول إن هذا هو الشرك بعينه، أيدعى غير الله وتطلب الفيوض والأنوار والبركات من الأولياء والأقطار؟ والله عز وجل يقول: قل إنما أدعو ربي ولا أشرك به أحدا، قل إني لا أملك لكم ضرا ولا رشدا،
ويقول عز وجل حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق إن الله شرع الحج لتعظيم شعائره وإعلاء ذكره والتضرع له وحده ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Donc qu'est-ce qu'il mentionne ici? Il mentionne dans Tablir Inissab, le volume 2, à la page 49, dans les mérites du Hajj, il y a la mention que les Awliya et les Abdal et les Aqtab, tout ça c'est des termes mentionnés ou utilisés par les Soufis, le Qutb, le Pôle et les Abdal, tout ça c'est des termes, et les Awliya, c'est des termes qui sont mentionnés dans les livres des Soufis, en particulier les Aqtab et les Abdal. Et ils disent que, dans ce livre, dans Tablir Inissab, ils disent qu'ils se réunissent tous dans le Hajj, ils viennent de toutes les régions du monde, et c'est une, donc c'est une occasion pour profiter de leurs émanations, et de leurs barakats, de leurs bénédictions, et de leur lumière, et de leur perfection. Parce que les soufis, ils croient que les corps des saints, des awliya et des prophètes, génèrent que ça génère une sorte de d'émanation, que leur corps génère une sorte d'émanation, comme une sorte de, comment on pourrait dire, les, comme c'est comme si il y avait une certaine un écoulement de bénédictions qui coule de leur corps et qui sort de leur corps, et ils croient que ils sont capables d'obtenir ou de prendre quelques émanations de ces corps-là, même après leur mort. Donc, ils pensent que la bénédiction coule en eux et ils peuvent en avoir accès à ces différentes émanations-là. Naam. Donc, ça, c'est des exemples. Et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Donc, le cheikh, il dit que ces gens-là, ils appellent, en réalité, quand ils disent ça, ils appellent au shirk. C'est-à-dire, ils appellent à invoquer ces êtres-là et à leur demander leurs émanations et leur lumière et leur bénédiction, hein, en cherchant ça de la part des Aqtab et des Awliya, comme c'est mentionné dans les livres. Tandis que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Jinn, versets 20 et 21, dit, c'est-à-dire, Allah ordonne à son messager Muhammad sallallahu alayhi wa sallam de dire aux hommes, dit, je ne fais qu'invoquer mon Seigneur et je n'associe rien avec lui. Dit aux hommes, au Muhammad, que je ne possède pas le moyen de vous nuire ou de vous guider, ou de vous montrer, ou de vous orienter sur le droit chemin. Puis il mentionne également d'autres versets, comme le verset 31 dans Surat al-Hajj et le verset 32, pour montrer qu'est-ce qui a rapport avec le tawhid et le fait qu'on n'a pas le droit d'associer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'invocation et dans l'adoration. Donc, il mentionne donc ce verset-là. Soyez exclusivement acquis à la religion d'Allah. Soyez des hunafa. Soyez des gens qui se tournent vers Allah et s'écartent de l'idolâtrie. Ne lui associez rien dans l'adoration. Ne faites pas de shirk. Ghayra mushrikina bih. Car quiconque fait du shirk avec Allah, c'est comme s'il tombait du haut du ciel et que les oiseaux le happaient. C'est comme s'il y avait des oiseaux, pendant qu'il est en train de tomber du ciel, il y a des oiseaux de proie qui viennent et essaient de s'arracher un morceau de lui pendant qu'il est en train de tomber, ou bien que le vent était en train de le précipiter vers un abîme très profond. Donc ça c'est des exemples. Et après il dit, voilà ce qui est prescrit, et quiconque exalte les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala, et quiconque exalte les injonctions d'Allah subhanahu wa ta'ala s'inspire en effet de la piété des cœurs. Donc ça c'est les versets que le cheikh a mentionnés à ce sujet-là. Ensuite il mentionne dans Tablir al-Nisab encore, il dit « Wa fi Tablir al-Nisab al-Juz al-Thani al-Safha 76 wa 400 » قال الشيخ أبو يعقوب السنوسي أبو يعقوب سنوسي جاءني مريد لي
وقال سأموت غدا وقت الظهيرة فلما كان اليوم التالي جاء المسجد الحرام وطاف بالبيت وتنحى غير بعيد ومات فغسلته ودفن فغسلته ودفنته فلما وضعته في قبره فتح عينيه وقال أنا حي وكل عاشق لله يكون حيا. Ça c'est une histoire encore. Ça fait partie des histoires que vous retrouvez dans les livres des soufis. Donc le cheikh il mentionne que dans Tablir al-Nisab au volume 2 à la page 476 on retrouve la parole suivante que le cheikh Abu Ayyub Sanusi a dit qu'il y a un mourid. Comment les soufis, quand quelqu'un rentre dans la tariqa et donne la bay'a à un cheikh, au début on l'appelle un mourid. Ça c'est le nom qu'on donne à un mourid. Et il y a une tariqa au Sénégal qui s'appelle la tariqa des mouridiyya. Mais en réalité, dans toutes les turuq soufiyya, les fidèles ou les gens qui rentrent dans la tariqa et qui donnent l'allégeance au cheikh, on les appelle des mourides. Sauf que la tariqa qui est au Sénégal, qui suit Ahmed ou Bamba, ceux-là sont des soufis eux aussi, et ils se sont donnés comme nom Al-Mouridiyya. Hein. Et il y a eu un reportage dernièrement en France sur eux, reportage exclusif ou quelque chose comme ça. En tout cas, sur M6, si je ne me trompe pas, ils ont montré beaucoup de leurs pratiques et de leurs comportements et de leur attitude. Mais bien entendu, c'est rien. Qu'est-ce qui a été montré? Il y a bien pire encore que ça dans leurs pratiques d'égarement, qui sont complètement contraires à l'islam. C'est une autre religion que ces gens-là sont en train de pratiquer, malheureusement. Que Allah leur ouvre les yeux et les guide à la réalité. Donc, le cheikh, il dit ici, il dit que Abu Ayyub Sanusi, un mourid est venu le voir, puis lui a dit, je vais mourir demain à l'heure de Dhuhr. Subhanallah. Comme s'il pouvait savoir exactement l'heure de sa mort et quand est-ce qu'il allait mourir. Donc là, il vient et il dit à Abu Ya'qub, à Sanusi, il lui dit, il est venu vers lui, le mourid, et lui a dit, je vais mourir demain au moment de Dhuhr, ou à Zahira. Alors quand le lendemain est venu, il est venu à la mosquée, ce mourid, il est venu à la mosquée, à la Bayt al-Haram, c'est à la Mecque. Il a fait le tawaf autour de la Kaaba, puis il s'est écarté un peu plus loin, et puis il est mort. Alors, le cheikh Abu Ya'qub Sanusi dit, je l'ai lavé, je l'ai enterré, puis quand je l'ai mis dans la tombe, il a ouvert ses deux yeux, et puis il a dit, je suis vivant, et toute personne qui aime, qui est amoureux d'Allah, il est aussi vivant. Donc ça c'est pour vous montrer les genres de superstitions yani, qui sont enseignées et qui sont prêchées dans les livres des soufis. Yani, subhanallah, il vient, il dit, déjà qu'il sait quand est-ce qu'il va mourir, puis après l'autre, il vient, il le lave, il l'enterre, juste avant de mettre la terre, il ouvre ses yeux, et puis il dit, je suis vivant. Et kullu ashiq, le terme ashiq, c'est un terme qui est utilisé en arabe pour parler de l'amour entre un homme et une femme, l'attirance et la passion entre un homme et une femme. Donc eux, les soufis, ils utilisent ce terme-là pour parler de leur amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, parce que ils font souvent des comparaisons entre l'amour d'un homme et d'une femme et leur amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Bien entendu, ça c'est pas des termes qu'on a le droit d'utiliser par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala quand on parle d'Allah. Mais pour les soufis, c'est parce qu'ils n'ont aucun respect et aucune gêne en fait. Donc il dit que toute personne qui est amoureux d'Allah, qui est ashiq de Allah, il est vivant. Allah nous donne des histoires que ces gens-là racontent. Après, dans un autre exemple, dans le volume 2 à la page 131, يقول الشيخ يوسف ابن علي إن امرأة هاشمية كانت تسكن المدينة وبعض الخدم يظلمونها فشكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأجاب النبي صلى الله عليه وسلم من الروضة أما لك في أسوة فاصبري فكما صبرت أو نحو ذلك فاصبري كما صبرت أو نحو ذلك فقالت هذه المرأة
بعدما سمعت هذا الصوت ذهب عني كل هم وغم ومات الخدم الثلاثة الذين كانوا يظلمونني. C'est quoi cette histoire dans le volume 2 à la page 131? Ça dit que le cheikh Youssef ibn Ali a dit qu'il y avait une femme Hashimiyya, c'est-à-dire descendante de la famille du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui vivait à Médine. Et elle avait des servants qui lui faisaient du tort et de l'injustice. Alors elle est allée au prophète sallallahu alayhi wa sallam, elle est allée se plaindre à la tombe du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et supposément que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait répondu à partir du Rawda, il lui aurait dit, est-ce que tu n'as pas un bon exemple en moi? Alors sois endurante comme moi j'ai été endurant. Ou quelque chose de ce genre. Et donc, cette femme a dit que après ça, après qu'elle a entendu cette voix, toute la tristesse et tous les soucis sont disparus. Et les trois serviteurs qu'elle avait qui lui donnaient des problèmes, qui lui faisaient de l'injustice, sont tous morts les trois d'un seul coup. Donc ça, c'est un exemple d'histoire de ce genre d'histoire de fable. Il y a des mythes qui sont mentionnés dans ces livres-là. Et bien entendu, yani, ce ne sont pas des histoires rapportées avec chaîne de narration ou avec une authenticité. Yani. Après, il dit « Aqulu inna hadhihi min al-maza'il al-batila fi kitabihim wa hahum yaquluna » إن الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج يده من القبر في القرن السادس الهجري ليقبلها أحمد الرفاعي على مرء من 90,000 مسلم من بين الشهود كما يقولون المحبوب السبحاني والقطب الرباني عبد القادر الجيلاني. Donc ils disent également que parmi les faussetés qu'ils prétendent dans leur livre également, c'est comme on a dit tout à l'heure, qu'ils disent que le prophète Sansam avait fait sortir sa main de la tombe au 6e siècle pour que Ahmed al-Rifa'i, un des shuyukh auquel on attribue la tariqa al-Rifa'iyya, le prophète Sansam aurait sorti sa main de sa tombe pour que Ahmed al-Rifa'i puisse l'embrasser devant 90 000 musulmans. Et parmi les témoins qui étaient là, supposément, il y avait celui qu'ils appellent Al-Qutb al-Rabbani Abdul Qadir al-Jilani. Et ça, c'est également mentionné dans le volume 2 à la page 130 et 131. Et tout ça, bien entendu, ce sont des mensonges. Hein? Et yani, moi, je me souviens, il y a un frère ici, même à Montréal, qui s'est converti à l'islam bien avant moi, peut-être, yani, près de 15 ans avant moi, peut-être. Il a des enfants maintenant, il est assez plus vieux, yani, plus vieux que nous tous. Et il est converti à l'islam depuis des années, comme je vous dis. Et bien entendu, depuis qu'il est converti, il est sorti avec eux au début, et il n'a bien entendu rien appris de son islam, de la langue arabe, ou quoi que ce soit de la religion. Et quand je suis allé chez lui une fois, yani, il m'a reconduit au métro. Ça fait de plusieurs années. Il m'a raconté une histoire une fois. Ça disait que il y avait un homme qui avait gardé son woudou pendant 40 ans. Le même woudou. Mais quand j'ai entendu cette histoire, j'étais étonné de voir que ce frère pouvait croire en des histoires pareilles. Mais lorsqu'on lit des histoires pareilles dans les livres de Tablir Inissab et dans les livres des soufis, eh bien, on n'est pas surpris par la suite. Parce qu'on voit que c'est comme ça que ces gens-là sont éduqués. Et on leur enseigne d'accepter et de croire en toutes sortes d'histoires ridicules de ce genre. Et on les programme, en fait, à croire en ce genre de choses-là. Par la suite, ils sont prêts à accepter n'importe quoi. Parce qu'ils n'ont aucune base et aucun fondement dans la religion musulmane. Et ils restent dans leur ignorance toute leur vie par la suite. Parce que tout ce qu'ils ont connu, c'est ces pratiques-là et ces enseignements-là. D'accord, donc ensuite on va revenir avec la parole, avec le livre du Cheikh Sultan Al-Aïd. Il dit « Ala tara kayfa yuqarrir mu'assis al-jama'a tadris al-shirk ala atba'ihi fahadihi al-abiyat fiha ibni'a'u ilmi rasulillah sallallahu alayhi wa sallam bil-ghayb
واللوح المحفوظ وأنه جاد جاد علينا بالدنيا وضرتها يعني الآخرة فماذا بقي لله الواحد القهار. Donc il dit, en parlant de qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure au début à propos de la Burda, le poème Al-Burda, que les soufis, peu importe leur groupe et leur tariqa, yani la plupart ils le récitent lorsqu'ils célèbrent, ils célèbrent la naissance du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils récitent cette qasida qui s'appelle Al-Burda, écrit par Al-Busayri. Et le cheikh dit, n'as-tu pas vu comment le fondateur de cette tariqa, de cette jama'a, de cette secte, il enseigne le shirk à ses fidèles, hein, et parmi les vers qu'il enseigne, on voit les exemples dans lesquels il prétend que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a la science de l'invisible et de ce qui est écrit dans les tables préservées, et qu'il a comme faveur et comme merveille sur nous le fait qu'il a ramené ou qu'il a fait que la dunya et l'au-delà existent, ou bien des choses de ce genre. Donc il dit qu'est-ce qui reste à Allah subhanahu wa ta'ala. ولهذا يقول معاونه على إمارة الجماعة وتعليم أتباعه محمد زكريا الكندهلوي أما الآن فقد أصبح الزمان ملائما وصالحا للدعوة إلى التصوف بكل قوة والعمل به. Donc il dit c'est pour ça que son aide, celui qui le supportait et qui l'aidait dans sa da'wa et dans la gérance de son groupe et dans l'enseignement de ses fidèles, Mohamed Zakaria Al-Kandahlawi, il disait, maintenant, le temps est venu pour, hein, le temps est venu et il est propice pour qu'on appelle au soufisme avec toute la force et qu'on travaille pour la propagation de ce soufisme. Donc, ça, c'est pour nous faire comprendre que la da'wa d'établir, c'est une da'wa soufiya. Et même les gens qui étaient à Montréal, je me souviens même dans la mosquée à Montréal-Nord, qui faisaient partie de ce groupe-là, c'était des gens qui étaient dans le soufisme, qui étaient ancrés dans le soufisme. Et je me souviens qu'ils propageaient même la haine qu'ils avaient contre le cheikh Mohamed Nasiruddin Al-Albani. Ils le détestaient d'une haine inégalée, hein, parce que Cheikh Al-Albani réfutait leurs égarements et leurs mensonges, donc il le détestait d'une haine incroyable. Et je me souviens même à l'époque, même si je connaissais pas encore l'arabe très bien, mais je me souviens que souvent ils exprimaient leur rage et leur haine contre lui. Et même certains d'entre eux, parmi les ignorants, parmi les gens qui venaient de rentrer dans leur jama'a, qui disaient que c'était un kafir. Ils allaient à l'extrême, jusqu'à dire que Cheikh Al-Albani était un kafir pour eux. Parce que Cheikh Al-Albani, il les critiquait. Et pour eux, toute personne qui les critique, c'est un ennemi. Même si ce qu'il dit à leur sujet est basé sur des preuves du Coran et de la Sunna, et qu'il les critique par rapport à qu'est-ce qu'ils ont dit et qu'est-ce qu'ils ont fait. Donc, le Cheikh dit, فَدَعْوَتُهُمْ إِذَنْ دَعْوَةٌ إِلَى التَّصَوُّفِ التَّصَوُّفُ الْبِدْعِي بِكُلِّ قُوَّةٍ كَمَا يَقُولُونَ بل قد صرح أمراء الجماعة بأن ولاؤهم وعداؤهم على التصوف البدعي فها هو شيخ الجماعة محمد زكريا يقول الذي يخالفوننا في هذين الأمرين يعني التصوف والتقليد فهو بريء من جماعتنا نعم إذا خالفتهم أيها الأخ المبارك في التصوف وحذرت من بدعهم فحقك الطرد والبراءة منك ومعاداتك فولاؤهم وعداؤهم على التصوف البدعي فأين ذهب عقلك حين خرجت معهم. Donc le cheikh il dit même que les chefs de cette jama'a, ils ont dit clairement, ils ont fait comprendre explicitement que leur allégeance et leur animosité et leur désavouement étaient basés sur le tasawuf, qui est bien entendu innové. Et le cheikh Mohamed Zakaria, qui est un des chefs, un des shuyukh de leur jama'a, il a dit dans un de leurs livres, il dit clairement que celui qui nous contredit dans ces deux choses-là, c'est-à-dire dans le soufisme et dans le fait de suivre aveuglément
hein, le madhab qu'ils suivent, et dans les suivre, de les suivre aveuglément, il est innocent. Nous sommes, alors il n'a rien à voir avec notre jama'a. Celui qui critique et qui s'oppose et qui nous contredit dans ces deux choses-là, il n'a rien à voir avec notre jama'a. Donc personne peut être salafi ou suivre le Coran et la Sunna et être sur la voie des salafs et être dans cette jama'a en même temps, parce qu'ils vont, ils ne vont pas lui permettre et ils ne vont pas le laisser critiquer rien de qu'est-ce qui est pratiqué par les gens de bid'a, parmi les soufiyines et parmi les égarés de ces groupes-là. Donc la seule chose que tu peux faire si tu sors avec eux, c'est de répéter les choses qu'ils te demandent de répéter et de dire ce qu'ils disent, et tu ne peux pas critiquer rien de ce qui a rapport avec les bid'a qu'ils pratiquent et les égarements et l'ignorance qu'ils font. Le cheikh dit oui, en fait c'est la réalité. Le cheikh dit, si tu les contredis, ô mon frère, dans le soufisme qu'il pratique, dans le soufisme qu'il enseigne. Même si la plupart des gens de tablir, eux-mêmes ne sont pas des soufis nécessairement. Sauf que tu ne peux pas être contre le soufisme si tu fais partie de ce groupe-là. Tu ne peux pas non plus critiquer le soufisme. Même si tu es toi-même, tu n'es pas soufi, ils ne vont pas te laisser critiquer le soufisme. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui disent « Ah, oh, mais non, je connais des gens qui sont avec Tablir, ils ne sont pas des soufis eux-mêmes, ils ne font pas partie d'une jama'a en particulier. » Oui, peut-être, mais ils sont quand même en faveur du soufisme et ils ne vont pas critiquer ouvertement le soufisme. Et donc, ils sont coupables par, disons, d'une certaine façon, indirectement. Il y en a qui sont coupables. Complicité du fait qu'ils se taisent contre leurs égarements, même s'ils ne sont pas avec les soufis, mais ils ne vont pas les critiquer ouvertement. Allah al-Musta'an. Donc le cheikh il dit que si tu avertis contre le soufisme et contre leurs innovations, tu vas te faire chasser et ils vont se désavouer de toi, ils vont te détester parce que leur allégeance, leur amour et leur animosité et leur désavouement n'est pas basé sur l'islam, n'est pas basé sur le tawhid et sur la sunna et sur le Coran et la sunna. Leur animosité et leur amour et leur haine est basé sur le fait que tu es avec leur bid'a ou non. Si tu es avec le soufisme mais que tu es avec leur groupe et que tu acceptes ce qu'ils font, tu es leur allié et tu es leur ami et ils vont t'aimer, ils vont te supporter, ils vont te défendre. Mais si tu es contre leur jama'a et contre les égarements qu'ils enseignent et contre leur ignorance, ils ne vont jamais te laisser la chance de quoi que ce soit. Ils vont te repousser, même ils vont te détester. Ils vont te traiter comme une ennemie. Donc, où est-ce qu'elle est partie ta raison lorsque tu sors avec ces gens-là? Donc là, on va finir avec ça pour aujourd'hui, Inch'Allah. Dans les cours précédents, on va rentrer de plus en plus en détail dans les exemples, les croyances et les pratiques de ce groupe-là. Puis, Inch'Allah, vous allez voir clairement, au fur et à mesure, que ce sont des gens qui suivent quelque chose qui est contraire à la vérité. Puis, à la fin, on va, Inch'Allah, lire les paroles des ulama de Ahl al-Sunnah wal-Jama'a à leur sujet. Et comment les ulama ont averti contre ces gens-là. Puis, par la suite, on va voir qu'est-ce que le cheikh a dit plus en détail, Inch'Allah, là-dessus. Donc on va s'arrêter ici pour aujourd'hui, Inch'Allah, subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Peut-être qu'aujourd'hui, le dars a été un petit peu, bouleversé par différentes choses, le fait que c'est un nouveau cours, un nouveau livre, on commence et tout, le temps de bien adapter la présentation, puis l'ordre, comment on va organiser ce cours-là. Mais Inch'Allah, dans les cours qui vont venir, ça va s'ajuster, Inch'Allah, puis on va faire en sorte que les choses soient plus organisées, puis plus claires, Inch'Allah. Donc, ça va être lundi prochain, le cours prochain, Inch'Allah. Et on va y aller doucement pour clarifier bien comme il faut les réalités de ce groupe-là. Puis en espérant aussi en même temps que ceux qui sont avec eux puissent, Inch'Allah, les quitter et savoir les fautes qu'ils ont pour qu'ils reviennent à la vérité de la Sunna et de la voie des salafs. Et ceux qui sont pas
avec eux, mais qui ont par exemple une tendance à vouloir les défendre et à vouloir les supporter en disant des choses positives à leur sujet pour qu'ils soient avertis du danger qu'ils contiennent, yani qu'ils propagent dans la Ummah et pour qu'ils justement prennent une position plus correcte à leur sujet. Donc on va s'arrêter ici, inshallah, subhanakallahu wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayh. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.